go high. J'ai dû m'écarter pour un mec qui était à l'arrêt. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure iRacing. Nous sommes aujourd'hui de retour avec la Dallara édition 2011. Et au programme du jour, le mythique Daytona, dont c'était d'ailleurs le dernier pour Dale Earnhardt Jr. il y a de cela quelques jours. Bienvenue donc, je suis toujours en compagnie de mes chers camarades Andy et Emeric. Salut, bonjour à tous. Qui ne nous feront pas le plaisir, hein. Ils sont un peu élitistes, donc si on va les rouler ensemble, ça veut dire qu'on va rouler nous entre nous. Je suis seul dans ma session face à une vingtaine d'autres Jean-Luberlu. Okay, here comes your first time black. Donc on est parti. Et on va tout donner sur le deuxième tour, évidemment. Le premier est vraiment un tour de lancer. On était pas mal en essai libre, on avait une cinquantaine de pilotes, on était P5, juste à la fin de la session avec un peu d'aspi. Ici on est seul face au peloton. Et on va voir ce que ça donne. Ça bouge beaucoup hein, dans le virage 3 et 4. On a énormément de coups dans le volant. Alors c'est bien de rouler aussi sur Daytona, dans la version 2007 évidemment. Allez, encore un tour dans cette séance qualif. Voilà, on déclenche le vrai tour maintenant. En cinquième, sixième, putain, mais en retard de 2 dixièmes, mais comment je fais pour être en retard de 2 dixièmes? C'est ouf, je vais être en retard de 4 dixièmes sur mon deuxième tour, ça n'a pas de sens. Mais c'est par rapport au, au leader. Meilleur... Non, c'est par rapport à ton meilleur tour avec la spi. Ah ok, d'accord. Bah écoutez, on est 9ème pour le moment. Assez décevant, on avait fait bien mieux en essai. Hein. Bah 37-9. Je crois que j'étais bien mieux avec l'aspi. Bon, 9ème, c'est pas la mort non plus. Hein. C'est toujours mieux que 14ème. Et bah depuis que j'ai nos limites les FPS, bah j'ai plus ce problème de descente entre 80 et 60, ça reste autour des 160-200 FPS. C'est parfait. Allez, on va rechercher notre mécano et on s'arrête. Il n'y a plus qu'à patienter pour la course. Donc pour l'instant on est 10ème sur un peloton de 22-23 pilotes. Voilà. Donc on est quasiment. On est à mi-chemin de la qualif. C'est pas mal. Sur la grille en plein milieu. En fait, ça va être bien. Et alors on met le pit limiteur pour éviter de partir. D'accord, ouais. Et on remet en 3. Oui. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui fait ça, qui met le limiteur d'ailleurs. Ah bah, on n'est jamais trop prudent. Ah, c'est Andy. Bon, si j'ai plus de limiteur. Je vois ta lumière rouge qui clignote à l'arrière. Là, tu l'as arrêté. Là, tu remets. Là, tu l'as arrêté. Là, tu remets. Là, tu l'as arrêté. Là, tu remets. Tu connais l'histoire du Belge qui met son clignoteur qui demande au policier de vérifier. Oh, oui, oui, ça marche. Non, ça ne marche pas. Si, ça marche. Bah non, ça ne marche pas. Ah bah si. Ça... C'est... Là, il s'appelle. Rien à déclarer. Ça arrive dans les coups de ton rep. Alors qu'il y a déjà des rupteurs hein, chez les
les garçons énervés. Olivier, tu vas niquer l'essence. Il y a Elton Silva. Rock'n'roll. Il y a Denise Parkinson. Pardon. Ah bah Denise. Tim Lanson. Alors dis, tu as gardé ton numéro 017 du coup. Ouais. Et moi le 777, parfait. Je pense que c'est une course pour tout seul. Ah encore on peut pas faire appel. Ah non. Ah non. Ah. Ça compte pas. C'est des courses fun lol MDR. Ah. Moi je me. Tu ne lis pas les commentaires de ma chaîne YouTube et de ma série L'Aventure Air Racing. Tu saurais que c'est des courses entre guillemets. J'allais dire des fouloirs mais détente. Pourquoi ils font ça? Ah le mec là devant moi qui marche arrière. Eh oh, recule pas trop. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je fais mon bolos genre arrêter de chauffer les pneus, ça sert à rien? Tu veux dire comme comme. Non. Ah oui. D'autres personnes bien pensantes. Ah des grands maîtres du pilotage évidemment. On a ah et ça se fout dedans sous safety car, deux tonneaux, lol. On a un mec qui a des Juan Carlos Pérez. Typical Hispanic driver. Il y a un mec chez nous, il a défoncé le plot bleu, pas le plot vert à la sortie des stands. Bravo. Ah mais c'est GG, faut y aller. Ah c'est bien, on va partir avec la moitié du peloton à 30 km. Ah on va going green, ah bah ça va être bien. Ah donc je peux défoncer, c'est le coup. Le fais pas de pace car is in. Ah ouais t'es déjà rentré toi, ok. Oh. Sinon tu peux accélérer, mais accélère. On en parle que les mecs devant toi ils avancent pas. Ah, regarde le en rose là, il fait exprès de laisser des cartes devant lui. Quel trou du. On va prendre, on va partir en deux. Ça va prendre oh là là, il y a Curtis et Denise là, ils sont en train de faire des vidéos là. Curtis et Denise font des vidéos. Oh là là, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. C'est une scène de crime quoi, c'est. Il y en a sur les murs quoi, c'est. C'est unbelievable. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'armée des 12 singes, c'est ouf. Tu pars 8ème, le mec il y a drap, il y a feu vert, il démarre pas. Il accélère pas, il continue genre. Oh. Bon, on va essayer de prendre le draft, je déconne. Oh là là, ça se fout dans le mur comme des grands là-bas. Peut-être faire un petit P2, P3 là. Voilà, j'essaie de survivre, ça a l'air d'aller. Oh là là. Il y en a dans tous les sens. L'essence de la course. Bon alors, pour l'instant on est P7 je crois. Je sais pas. Ouais. P8, P7, P8. Voilà. P11. P11. Alors que j'ai des taches sur ma prévisière. J'ai fait je vais un. Donc la retirer. J'ai fait un très mauvais débat. Oh, gros crash. Gros crash chez nous. Cole, prends là-haut, le haut du circuit. Ça passe. Incredible. Ah, ils m'ont mis des pneus spéciaux hein, du côté de chez Harry. Eh oui, j'ai tapé. Et voilà, merci monsieur. Au revoir, bonsoir. J'ai failli me mettre dedans tout seul. Oh là là, ça ressort des box. Oh. Un et pantalon voilà. Neuf. Brown paint. Un pantalon neuf s'il vous plaît. Je sais pas comment je suis passé. Je suis P5. Et si je vais sur le podium, je pourrais pas monter sur la victory lane parce que j'aurai une tache sur ma combi blanche. Oh, cette frayeur. Bon maintenant évidemment on va rentrer dans le fameux No Man's Land hein, qu'on connaît dans les courses d'IndyCar. Donc prenez le temps de mettre un peu de bleu. On est P4.
va remettre en 6. What the fuck, nous dit Nicolas d'Apéro. Ouais. Et j'ai une pénalité de 15 secondes parce que vu que le mec m'a poussé dans les storms, c'est moi qui prends la pénalité. J'adore ce jeu. Et donc pied de podium, mérité en tout cas. Oh là là, ça sort encore de... Oh là là, oh là là. On est à 10 tours de l'arrivée, ça tond la pelouse. Vous savez ce gif du mec en costume dans une télé japonaise qui court avec des trucs qui explosent derrière lui là? Ouais. C'est un peu ça le résumé de ma course. C'est le résumé de la course de Ricardo à Bakou aussi d'ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. C'était WTF1 qui avait mis ça, je pense, non? Yes. Ouais, c'est un peu la... Après, ça s'explique en hispanique dans le texte. Donc ça sort des stands et ça se met en tête à queue. Proud of my boy. Alors évidemment, si vous avez fait péninsule ibérique troisième langue, abonnez-vous. Abonnez-vous. Révise ton espagnol avec Maxou. Après, apprends l'anglais avec Victor. On est toujours P4, hein, évidemment. Ah, das ist Katia, das Telefon klingen. Pardon. Kling, kling, kling. Je sais parler le perche. 8. Néerlandais. Ou le flamenc. Oh là, oh là, oh là. Emmerich va me faire avancer. Les bruits vont être regrettés là. Ouais. En foot, ils font pas l'effort de parler français. Ça, c'est faux. Ça dépend qui, hein. S'il y a bien... Oui, ça dépend. Si tu vas à Dilbé, que c'est plus compliqué. Alors là, évidemment, tous les Français qui nous regardent ne savent pas du tout de quoi on parle, mais il y a quelques communes en Belgique où si vous arrivez en parlant français, il vaut mieux dire que vous venez de France plutôt que de Wallonie, parce que... On vous accueille avec comment dire. La chaleur humaine, évidemment. Alors nous sommes à 6 boucles de l'arrivée, nous sommes 4e, ça se passe, on est loin des déboires, on fait une practice évidemment. Ah bah là c'est clairement ça. Mais on va faire un petit P4, mais je pense que la vidéo vaut le coup rien que pour le moment de... Où je... Voilà, le brown pants required. Je suis à une main et je me promène. Je sens des pieds. J'ai sorti quelqu'un et je me sens horriblement mal. Ce serait pas moi ? Sale. Ah, je me sens sale. Oh. Ce serait pas moi que t'as envoyé dans les stands tout à l'heure ? Ouais, non, je viens de le faire à l'instant. Ah, ok. Parce que je vais aller chercher le nom après du mec qui m'a foutu dans les stands. Hein. Je me sens terriblement sale. Alors, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps le savent, en course en ligne, rattraper un retardataire. C'est l'angoisse que ça me procure. Cette angoisse m'envahit petit à petit au fur et à mesure des mètres qui défilent face à Team Ogawa. Cette angoisse m'habite. Eh oui. Comme le démon du sexe. Parce que c'est connu que le démon du sexe m'habite. Voilà. Les alors grosses têtes, Sim et tout ça. Francis Perrin, les bonnes références. Évidemment. Alors, Docteur, le démon du sexe m'habite. Oh. Alors, tous ceux qui ont moins de 20 ans ne comprendront pas. Oh, il y a les replays sur YouTube. Oh oui. Ah, ça date d'il y a 96, hein, ça commence à dater. Hein, les grosses têtes à Bobino. Formidable théâtre. Qu'est-ce que je... Alors, est-ce que je fais mon bolo ou est-ce qu'il il veut me laisser passer? On va essayer. Je ne garantis pas le succès de la manœuvre. Stay low, there's a car on the high side. Thanks, Tim. Le mec qui dit merci à Steam, quoi. C'est le mec qui a pas compris. Where is Brian? Et là, il ralentit parce qu'il cherche le bouton pour dire merci, bro. Il est rigolo, le gros. Alors que le deuxième s'est foutu dedans. Ce sera donc... 3e place pour nous.
P2 pour l'instant. Par de la fin. Maxime, tu as un joli prénom, mais tu n'as pas la vitesse, merci. Tellement de flip. Deux tours avant l'abaissement du drapeau à damier. On a du monde derrière. On est un peu plus entouré que tout à l'heure, mais... Ouais, le deuxième est au box. Adam Sekleski qui est donc arrêté, donc irrité de sa position. Ouais, on est donc P3. Et nous sommes à 2 secondes du pilote qui est deuxième. Donc il y a moyen d'aller chercher peut-être Tony. Oui, Grooves. Galopin. Ah. On nous confond souvent. Maxime Duchesne nous remonte, il a repris de la vitesse. Va pas nous foutre dedans, garçon. Je rêve où le deuxième a tapé. Est-ce qu'on est clear? On est clear. Tu peux dire on est clear. P3. Je peux laisser passer, j'en ai rien à foutre. Là, passe-moi à droite. Voilà, passez, allez vous foutre dedans, allez me chercher le deuxième, mettez-le dans le mur, moi je passe. Osef. Voilà, il se met tout seul dedans. Je vais pouvoir le dépasser, on va remettre en cinquième histoire d'avoir un peu de relance. Voilà. Je vais aller chercher la deuxième place sur le fil. Attends qu'on l'ait fini. On prend la P2. On prend la P2 à deux virages de la fin. Voilà, alors que Daniel nous dit bravo, c'est génial, j'aime le fromage, vive Helmut. Allez, hop, et le checkered flag, c'est fait, et nous sommes deuxième de cette course avec une grosse frayeur. Et bien voilà, c'est pas mal. Great job, everyone, great job. A lot of fun. And shitty pants moment too, thanks. Oui, alors à Nagano. Ici Nagano. Le coureur automobile qui aurait dit qu'il avait fait caca culotte. Ah, tu parles de... Comment il s'appelle, la FJ cet après-midi, qui était à la voiture médicale parce que... Ah, ça se sachiasse. Ah, ça... Ça a coulé dans le bac qui sert. Dans le bisou. Bah quand même, Rick me défonce pas quand il y a un crash, ça passe hein. Oh, il y avait de la fumée. Cool. Bon bah écoutez, on sauve le replay. Je fais P6 et puis des donuts pour terminer. Ah, Balek. Je suis arrivé pleine bourre. Tu sais, le mec, c'était un... Tu viens de trouver une glace trop bonne, il est là, il fait « Ah oui, non, c'est pas bon, hein. » Oh, le pilote, il est décédé. Bon, écoutez, je ne vais pas tergiverser trop longtemps. Merci, messieurs, d'avoir été vocalement présents à défaut d'être sur la piste. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'aventure iRacing. On aime bien de temps en temps aller faire un petit peu de course avec ces IndyCars, ça nous change un peu les idées et on en fait, même si ça compte pas, des super résultats parce que c'est un peu le défouloir de tout le monde ces courses, on peut tenter un petit peu des manœuvres chaudes. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, bon amusement en piste. Merci messieurs, à la prochaine, salut. Salut.